Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au supermarché Aldi. Je suis à Lille-Adam, c'est parti pour faire un point sur les arrivages. Bon, il y a pas mal de choses comme vous pouvez le constater. Il est hyper vaste ce magasin, donc on va faire un tour ensemble. D'ailleurs, est-ce qu'on a des personnes qui viennent régulièrement chez Aldi dans la team Joli Shopping? N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Allez, par ici, on a des boîtes alimentaires, donc boîte à pain. Je vois ici, c'est marrant. Le format, ça fait très rétro. Donc, prix unique de 9,99 €. Donc, il y a cette boîte à pain. Elle existe en blanc aussi. Elle fait 30 cm de largeur et 18 de profondeur. Et vous avez ce format-là qui est balèze pour ranger tout ce qui est pâte. C'est vendu par deux, ça, donc 9,99 € aussi. Je regarde s'il y a d'autres couleurs que du gris. A priori, non. Il n'y en a que en gris. Donc voilà, au choix, 9,99 €. Par ici, pour la cuisine à fixer directement sur votre meuble haut, on a un porte-ustensile à 3,99 €. Donc vous voyez, juste ici, vous l'enfilez sur votre meuble haut. Et on a la même chose version sopalin. Donc pas mal pour optimiser l'espace dans sa cuisine. Deux soupe-plats comme ceci en silicone. Ils sont vendus par deux à 2,99 €. On a un autre accessoire comme ceci, un porte-bouteille antidérapant. Donc si je comprends bien, ça va mettre dans son réfrigérateur. Je ne connaissais pas du tout. C'est à 2,99 € aussi. Vous avez tout un tas d'accessoires comme ceci au même prix. Tout à l'heure, je vous ai montré des porte-ustensiles à 3,99 €. Il y a également celui-ci pour placer vos mugs. Pareil, ça se fixe directement sur votre meuble haut. Donc, s'il n'y a pas besoin de perçage, pas de collage, 3,99 €. Et là, vous pouvez mettre 8 mugs. Alors, par ici, on a des ustensiles pliables, les gobelets pliables. Je ne connaissais pas du tout le concept, mais a priori, ça a l'air sympa. Là, ils sont vendus par deux à 4,99 €. Donc, ils sont en silicone. Vous pouvez mettre dedans des boissons chaudes ou froides. Donc, il y a du gris comme ceci. Vous l'avez en rose à 4,99 € les deux. Et au même prix, vous avez également les boîtes de repas pliables. Donc celles-ci sont vendues à l'unité. Vous avez avec une cuillère et une fourchette qui sont intégrées. Et vous voyez, c'est vraiment pliable. C'est marrant ça. Donc en termes de gain de place, c'est plutôt pas mal. C'est innovant. 4,99 €. Et là, pareil, vous avez plusieurs couleurs. Il y a du rose et gris comme ceci. Vous les avez tout en gris comme ça. Ah, il y a du bleu aussi, je vais vous montrer le bleu. Voilà le modèle bleu. Ouais, c'est pas mal pour les personnes qui ont des pauses déj ou qui veulent optimiser l'espace. Donc voilà pour les ustensiles de cuisine que je viens de vous présenter. Je continue avec ces tasses à café avec des dictons. Donc on a celle-ci en rose avec écrit Good Morning Sunshine, 2,99 €. Elles sont en 400 ml, donc ça c'est bien pour boire son thé par exemple. Moi j'aime bien les grandes tasses, je le dis tout le temps. Il y a des bleus comme ceci et vous pourrez retrouver directement toutes les couleurs qui sont affichées ici. Donc bleu, rose, on a du blanc et du jaune. En arrivage cuisine, on a ces poêles, elles sont hyper lourdes, je ne les connais pas. C'est des poêles avec un revêtement en titanium, donc manche contrôle de la chaleur. Elles font 28 cm de diamètre, elles sont garanties 3 ans, 15,99 €. Juste ici, vous avez un voyant. Quand il atteint la chaleur qu'il doit atteindre, quand vous la mettez sur votre feu, voilà, il s'allume en rouge. Donc ça vous indique que vous pouvez envoyer la viande par exemple. Et c'est compatible tout feu, même induction. Alors je ne m'y connais pas beaucoup en termes de voilà, tout ce qui est ménager hein, bien sûr. Mais si vous avez déjà testé des produits de chez Aldi et que vous avez un retour positif ou autre, n'hésitez pas à le noter en commentaire pour aider la communauté. Je trouve que c'est important. Voilà, 15,99 €. Par ici, on a des saladiers vendus par 3. Donc vous en avez un qui fait 17 de diamètre, le plus petit. 22 et 26 de diamètre. Ils sont jolis, donc résistants aux rayures et aux chocs. Ça, c'est la promesse de l'emballage. 9,99 € les 3. Donc bien sûr c'est compatible au lave-vaisselle et c'est du verre opalin. Il y en a un qui est ouvert donc je vous propose de vous montrer tout de suite. Donc les voici. Ouais, ils sont jolis. Après ça ressemble à du luminarc si je peux me permettre. Non, ils sont jolis pour mettre des petites salades ou autres. Voilà.
9,99€. Ici, on a un prix unique pour ces petits accessoires de cuisine à 4,99€. On a des petites poêles, mais mini poêles wok comme ça. C'est vraiment miniature, donc c'est compatible tout feu. Vous avez des mini poêles comme ceci aussi pour faire des omelettes, je sais pas moi, pour une personne. Et enfin, des toutes petites cocottes comme ceci. Voilà, 4,99€ la pièce. Alors, par ici, ce sont des boîtes de conservation empilables. Alors, elles sont vendues par deux à 4,99€ les deux. Par contre, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez deux fois 0,9 comme ceci. Elles sont plates. Donc c'est du polypropylène. Là, on a, elles sont vendues par trois, celles-ci. Non, je dis des bêtises, je crois. Si, si, c'est ça, par trois pièces. Donc avec le couvercle, c'est 3 fois 1 litre, donc 4,99€. Il y a d'autres couleurs aussi, comme ceci, et d'autres formats également, puisque ça c'est 2 fois 2 litres. Donc vous choisissez ce dont vous avez besoin. Et si je dis pas de bêtises, non, elles sont pas toutes empilables. J'allais dire tout est empilable, même si c'est pas la même... Ouais. Bah si, vous pouvez les mettre les unes sur les autres, hein, mais c'est pas tout à fait. Il n'y a pas un système fait spécialement pour. Voilà, 4,99€ le lot. Et juste à côté, un super outil à 2,99€, c'est un chausse-pied. Il y en a deux. Donc il y a un petit et un grand. Voilà, que vous dire. Forme courbée ergonomique, voici la promesse. 2,99€. Ah, ça c'est un bon prix, c'est une carafe filtrante de la marque Brita qui fait 2,4 litres. Vous avez à l'intérieur inclus la première recharge. Donc 13,99€, c'est un bon prix. Et ils vendaient des lots de cartouches filtrantes par 3, mais j'en vois pas en stock. Non, je vois que des carafes, mais il y avait les cartouches et je les vois pas. La bouilloire électrique que vous voyez là, sans fil rétro, la marque Quick, qui est la marque d'Aldi, est vendue 29,99€ et elle fait 1,7 litre de contenance, garantie 3 ans. Voilà, elle est jolie, on dirait un petit peu du SMEG, je trouve ça joli. On a cette horloge murale qui est super jolie en blanc avec les aiguilles aspect bois à 7,99€. Bon, c'est pas tout à fait cuisine, mais ça rentre dans le thème, pourquoi pas. Chiffon microfibre super absorbant, utilisable à sec ou humide, 2,99€, ils font 23 par 28 cm. Ça c'est un produit que j'achète chez Action, parce que ils sont pas chers, ils sont vraiment bien ceux de chez Action. Il y en a plusieurs sortes, je vous les montrerai à l'occasion. Balai lave-sol télescopique vendu avec la serpillière à 5,99€. Voilà pour les fixations, elles sont comme ça, j'utilise pas ce genre de produit, donc je saurais pas trop quoi vous dire. Donc promesse d'un produit solide. Ok, on a le socle avec la fermeture magnétique. Et il est vendu en trois parties. 5,99€. Et juste à côté, vous avez des balais. Donc qui sont vendus. Donc là, il y a le manche avec le balai à poils souple. Il y a plusieurs couleurs. 3,99€. Allez, les pinces à linge qui sont là sont vendues par 20. Elles ont l'air hyper... hyper résistante, je dis ça parce que j'ai aussi des anecdotes incroyables à vous raconter avec les pinces à linge, 2,49€, et je pense que je vais les prendre parce que moi j'ai vraiment des soucis avec ça, à chaque fois elles pètent, à chaque fois c'est pas les bonnes, enfin bon c'est une galère, et celles-ci sont plutôt jolies, donc je vais les prendre, je passerai en caisse tout à l'heure avec ça. Et regardez, si vous avez besoin de cintres également, vous avez des lots ici de 12 cintres à 2,49€. Par contre, on dirait des cintres... ils ont l'air petits, non? On dirait des cintres enfants. Ah oui, d'accord. Vous choisissez les petits comme ceci ou la taille qui est classique. Par contre, les grands sont vendus par 10 à 2,49€. Et là, vous avez l'embout qui tourne en 360, ce qui est super pratique. Il y a du gris aussi. Ça, c'est pas très cher, je trouve. Allez, je continue avec des vases comme ceci. Il y a plusieurs modèles, si je comprends bien. Donc, à 4,99€, on a celui-là qui ressemble à ça visuellement. On a celui-ci avec cette forme qui fait 10 cm de diamètre. Il est joli. Et on a également ce modèle. Voilà, 4,99€ la pièce. D'ailleurs, que pensez-vous de ce prix? Voilà, je veux lancer le débat. 4,99€. Juste à côté, on a des lampes de table qui sont... donc vous avez un capteur ici de contact
à 14,99€. Il y en a plusieurs modèles aussi. On a celui-ci. Et on a celui-ci. Donc, c'est des lampes LED. Ah, il y a celui-ci aussi également. Donc, l'intensité de la lumière est variable. Vous pouvez le régler. Et ça, c'est un produit que j'adore. C'est un projecteur solaire pour l'extérieur. Je trouve ça génial, surtout quand c'est de la bonne qualité. 18,99€. Ils ont l'air plutôt pas mal. Je dis ça parce que j'en ai acheté récemment chez Cdiscount, juste pour mettre au-dessus de la porte du garage. Bon, pour l'instant, ça va. Mais ils nous ont déjà fait des phases où ils ne fonctionnaient plus, qu'il fallait rappuyer, reconfigurer. Donc là, pour un extérieur, je trouve que c'est pas mal d'avoir un truc fiable. En plus, ça a l'air d'être assez puissant. Et ça l'est puisqu'ils captent le mouvement jusqu'à 12 mètres. Et angle de 110 degrés, donc c'est quand même pas mal. Après, vous pouvez gérer tout ce qui est durée d'éclairage, portée de détection. Donc ça, c'est le top. Comme ça, ça évite de trop user, on va dire, le capital qui a été gagné grâce à la lumière, au soleil, pardon. Et donc, c'est du 900 lumens, durée d'éclairage de 10 à 60 secondes. Donc, c'est totalement personnalisable. Et ça, c'est plutôt un bon produit. Donc, c'est garanti 3 ans, comme tous les produits... Aldi. Par ici, on a des séchoirs à linge extensibles qui font 1,86 m et vous avez encore les deux portants là, vous savez que vous pouvez déplier de 57 cm chacun. Ils sont vendus 23,99€. Il y en a quelques-uns en stock. Il y a du taupe et du bleu. Il existe aussi ce modèle, c'est l'étendoir parapluie à 11,99€ pour mettre les cintres. Ça, c'est pas mal puisque du coup ça prend pas trop de place et on peut mettre directement sur cintre à sécher. C'est ce que je fais à titre personnel, tout ce qui est t-shirt et tout, je les mets sur cintre. Corbeille à linge 40 litres, 3,99€. Je vous en sortirai une, il y a plein de couleurs. Hop, voilà, elles sont comme ceci, elles sont ajourées. Il y a du bleu, du blanc. Il y a du gris aussi, vous choisissez, 3,99€ la pièce. Et vous avez de la même collection, des coffres à linge comme ceci, en 60 litres, vendus 9,99€. Et là, vous choisissez votre couleur aussi, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a le couvercle qui est fourni avec. Et ils sont costauds, hein, vraiment, là, la qualité. Je sais que vous ne pouvez pas le palper à travers la vidéo, mais c'est vraiment pas mal. Voilà comment il se présente quand il est debout, c'est joli. C'est joli, après moi je recherche un panier à linge un peu en osier ou je sais pas, mais qui reste bien en place aussi, mais j'en veux pas en plastique, mais en tout cas celui-là est très joli, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Housse de protection pour votre machine à laver, c'est du 60x60, c'est vendu 3,49€, il y a plein de couleurs, il y a du gris, il y a du beige comme ceci, taupe, il y a du blanc, il y a du bleu. Et là, on a un arrivage de centrale vapeur Philips à 69,99€. Donc, c'est du 5 bars maximum. J'en ai une, moi, mais je ne sais plus c'est quoi la marque. En tout cas, je ne pourrais plus m'en passer. Je pourrais plus repasser au fer à repasser classique. Voilà, elle se présente comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, c'est garanti 2 ans. Donc, voilà, chauffe rapide en 2 minutes. Donc, on a un réservoir de 1,1 litre. La semelle du fer à repasser est en céramique. Vous pouvez faire le défroissage vertical. On vous rappelle, il y a un voyant lumineux pour vous rappeler le détartrage. Et voilà, ça s'éteint automatiquement, pardon. Si vous l'oubliez, si vous êtes amené à l'oublier, bon, on ne vous le souhaite pas. Hein. Voilà, 69,99€. Et en termes de prix, ça m'a l'air être un très bon prix. Après, comme j'ai acheté le mien il y a longtemps, je ne sais plus trop actuellement c'est quoi les prix. Donc pareil, si vous avez l'info, n'hésitez pas. Hein. Moi, j'épingle vos commentaires, comme ça peut servir à d'autres personnes qui recherchent ce type de produit. Juste derrière, on a des tables à repasser à 34,99€. Donc il y a deux modèles différents comme ceci. Vous pouvez régler en hauteur. Et a priori, elle est assez grande puisqu'elle fait 1,20 m. Vous avez la grille, donc pour poser le fer, c'est du classique. Mais elle a l'air costaud. Parce que ça, c'est pareil, des fois, il y en a, c'est pas très costaud.
Voilà pour cette vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire ce que vous en avez pensé, à donner votre avis. Dites-nous si vous allez chez Aldi, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez. C'est intéressant, on est là pour échanger. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.